Allora, abbiamo ospite il signor Hamid Adou, direttore generale dell'Ente del Turismo del Marocco. E a lui chiediamo come andrà la stagione 2010. Bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez, la saison 2010 est une saison qui démarre visiblement assez bien. Les premiers indicateurs sont positifs. Les premiers indicateurs sont très positifs. Je pense que, bon, déjà 2009 était une bonne année pour le Maroc en tant que destination. Là, 2010 commence bien. À partir du marché italien, les premiers rendez-vous que nous avons eus avec les tour opérateurs sont très positifs puisque nous augmentons la capacité. Donc, nous sommes très optimistes. Je pense que ça va bien se passer cette année. Et la clientèle italienne, c'est en quelle position dans les arrivées internationales ? Alors, la clientèle italienne est en quatrième position dans les arrivées internationales, après la France, l'Espagne et l'Angleterre. C'est une clientèle importante. Nous faisons à peu près 200 000 touristes italiens par an, ce qui est un chiffre très intéressant. Les Italiens sont un peuple qui apprécie beaucoup la culture et l'authenticité. L'Italien n'aime pas aller juste se reposer, bronzer, tout simplement. Il aime être en contact avec la culture d'un pays et nous avons la capacité d'offrir ce contact. Vous avez des nouveautés, c'est-à-dire par exemple dans le golf ou je sais pas. Oui, nous ouvrons à peu près 5 à 6 golfs par an chaque année. Nous sommes aujourd'hui autour de 30 golfs sur le marché marocain. Nous avons ouvert 2 stations balnéaires en 2009, Mazagan sur la côte atlantique au sud de Casablanca et Saïdia sur la côte méditerranée. On ouvre une 3e station balnéaire. Donc il ne reste pas que venir alors. Écoutez, on est là pour vous accueillir. La porte est grande ouverte. Vous êtes les bienvenus chez vous au Maroc. Merci beaucoup, monsieur.